naturel. On a réussi. Isaac, un vaisseau nous a contactés. L'USM Valor, il a dû intercepter notre signal de détresse. Si vite? Qu'est-ce qu'un vaisseau militaire fait si loin? Il est peut-être en patrouille. Bref, vu la situation, n'importe quelle aide serait la bienvenue. Rejoins la salle des communications. Une fois qu'on aura réparé l'antenne, on obtiendra toutes les réponses qu'on cherche. Qui s'aggrave. Non, c'est pas ça. Enfin bref, la porte vers la salle de communication devrait être ouverte. Tu devrais pouvoir te rendre vers la salle de contrôle. Et Isaac, fais gaffe à ce que tu dis. Je pense que quelqu'un nous écoute. Le Valor tient la position.
Comment se porte l'antenne? Allez, HS. Quelqu'un a trafiqué les émetteurs pour faire griller le système. On est foutus, c'est ça? Non, le boulot a été mal fait. Message. Certains émetteurs sont intacts. Si je les remplace et que je crée un nouveau circuit fermé, on devrait pouvoir envoyer un signal. À court de portée, c'est déjà ça. Ok, c'est ça. Moi, je vais continuer de surveiller. Sortie d'une zone en zéro gravité. Ici l'USN Valor. Transmettons sur toutes les fréquences de l'USG Ishimura en réponse à votre signal de détresse. Nous avons récupéré votre capsule de sauvetage numéro 47 et sommes en route vers votre position. Ce message se répétera toutes les 30 secondes jusqu'à votre réponse. Une capsule de sauvetage? Merde, c'est la capsule qu'Amonde a éjectée. Chen, enfin cette créature était à bord. Non, non, non. USM Valor, vous me recevez? À vous, Valor. Ah, votre signal est trop faible. On peut déployer l'antenne longue portée? Non, il y a quelque chose qui bloque les portes au niveau de l'antenne. Il doit y avoir une commande manuelle au niveau de la maintenance. J'y vais. Toi, essaie de les contacter.